RMC d'aujourd'hui. Baby, I can be by your side. En effet, une forme de fuite dans cet homme oppressé partout où il est, sauf dans sa voiture. Il n'a ni femme, ni enfant, ni boulot, ni boss, ni machin. Il est entre le point A et le point B. C'est le seul moment où il peut se permettre de se détendre parce qu'il est toujours bloqué dans des tocs. Les yeux dans un rétro, c'est tout ce que je suis pour toi. Un conducteur des limos qui t'emmène au loin dans ton émoi. Remettre les aiguilles à zéro, faire le plein et jouer les euros. Se foutre en l'air, à l'arrière, sur des sièges en cuir, comme un torero. Je suis tombé sur des machines, des vieilleries, un Wurlitzer, des claviers, des trucs, et je me suis vachement penché là-dessus. Et à force de m'amuser avec ces vieilles machines, je suis sorti un peu de la guitare, et je me suis rapproché de vieux sons, de vieux disques que j'aimais. Et moi, je trouve qu'il y a plein de groupes comme Visage, comme Supertramp, enfin, les années 70-80, qui ont marqué des disques impressionnants, de 75 à 82. Si vous aimez le sex and the limo, baby, I can be by your side. C'est pas un acte intentionnel, une chanson pour moi. C'est un accident. Ça, c'est typiquement moi. J'écris les textes après les avoir chantés. Et parfois, comme je suis pas capable de le rechanter exactement, c'est-à-dire que ça s'entend que c'est moi qui écris. Et je veux pas que ça s'entende que c'est moi qui écris. C'est bizarre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où je le chante, je suis moi-même. À partir du moment où j'écris, je suis plus moi-même, c'est moi qui réfléchis. Nous allons approfondir la question.